Bon, aujourd'hui, c'est journée sans enfant, journée sans mari, donc journée solo. Je vous emmène avec moi. Il est 12h30, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Je prends pour une nouvelle journée. Bon, je t'avais déjà pris il y a 2 jours de cela, mais je n'avais pas terminé le vlog. Je l'avais juste commencé. Et aujourd'hui, je te reprends. J'espère pouvoir terminer. Attendez. J'espère pouvoir terminer. Est-ce que je t'ai dit, je t'ai donné la date? Nous sommes le 24 ou le 25? 24? 25, le 24? Non, nous sommes le 24. Nous sommes jeudi 24 juin 2021. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, je me suis occupée de mon visage. J'ai fait un soin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de soin. C'est important de faire des soins chaque semaine. Et ça, je me le dis aussi à moi-même. Parce que parfois, avec les occupations d'un jour, oui, je n'oublie pas, mais je n'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, je me suis accordé ce temps de me faire un bon soin. Et ça m'a fait du bien. Et là, je suis en train de préparer le sac à sac. Tu connais le sac à sac? Qu'est-ce que je veux prendre? Ah oui. Je vais prendre mon pot d'assaisonnement. Et qu'est-ce que je veux aussi prendre? J'ai pris ceci. Une de mes petites sœurs m'a préparé la moine. Je parle doucement parce que mon fils est au double. Bon, là je suis à la cuisine, je vais fermer la porte. Comme ça, on pourra parler tranquillement. Voilà, bah, c'est mieux, on peut parler tranquillement. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Hier, une de mes petites soeurs m'a préparé la moine parce que c'est trop compliqué là. Non, c'est pas trop compliqué, mais c'est contraignant de préparer la moine, c'est contraignant. Donc elle a fait le plus dur et moi j'ai fait le plus facile. Voilà, donc là je vais manger la moine, je suis trop contente, je vais manger la moine et je suis en train de préparer le sac à sac. Le sac à sac, chez certaines personnes, dernièrement, je suis en train de suivre une vidéo d'une malienne et elle disait que chez elle, dans son pays, en tout cas au Mali, le sac à sac sont les feuilles de patates douces apparemment. Chez nous, le sac à sac sont les feuilles de tubercule de manioc. Voilà. Mais donc on le pile et puis voilà, c'est pilé. Après, il y a certaines ethnies qui vont mettre de la pâte d'arachide, il y en a d'autres qui ne vont pas mettre de la pâte d'arachide, il y en a d'autres qui vont juste mettre la soupe de noix, donc la moine par exemple. Moi j'aime mettre beaucoup, en tout cas beaucoup de pâte d'arachide. Ma mère me dit que c'est parce que l'ethnie de mon père, c'est comme ça qu'on aime manger le sac. Et je pense que ben, j'ai hérité ça de mon père, quoi. J'ai hérité ça de mon père. Donc si vous entendez du bruit, c'est mon frère. Donc là, je suis en train de préparer le sac à sac avec beaucoup de pâte d'arachide. Je vais mettre un peu d'huile de palme et un peu d'huile de tournesol. Je vais aussi assaisonner le poisson. C'est avec ça qu'on va manger le sac à sac. Mon fils aussi aime le sac à sac. Mon mari aussi aime le sac à sac avec de la banane. Plantain. Voilà. Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. Je sens que ça va vous plaire. Et let's go!
voici mon poisson. Donc je l'ai assaisonné comme d'habitude, sauf que j'ai rajouté du lait. Je vais laisser macérer dans le lait pendant 3-4 heures, bref. Et puis vers 17 heures, je vais le frire. Voilà. Oh, oui, j'ai défait mes cheveux. 4 jours après m'être tressée, je l'ai défait. Je voulais changer de couleur, faire du henné pour colorer mes cheveux, mais malheureusement coupure d'électricité. En fait, il est 16h. Je vous reprends, il est 16h. Et quelle heure? 16h, chérie. 16h. Oui, 16h. Et donc, j'étais en train de défaire les cheveux que j'ai gardés pendant 4 jours. Et je dis, je peux plus faire ma coloration. Parce que chez nous, quand il y a coupure d'électricité, ensuite il y a coupure d'eau. Donc, je ne sais pas quand ça va revenir. Donc, je ne peux pas me permettre de faire un henné. Même si j'ai des réserves, je ne peux pas me permettre de faire un henné. Attends, on va aller s'amuser. Donc, je disais, je vais plus faire de henné. Du coup, je vais juste me faire un bain d'huile. Et puis voilà, sinon bientôt je vais faire la cuisine parce que si l'électricité ne revient pas, je ne vais pas faire la cuisine dans l'heure avec une bougie. Donc bientôt je vais. Le sac à sac est presque cuit, je vais juste le laisser. Oui, Rocky, pourquoi tu me regardes? Je parle à mon chien qui me regarde. Pourquoi tu me regardes? Tu me connais? On se connaît? Donc voilà, je vous retrouve juste après. Je vais aller me faire un bain de vie. Tu refuses? Allons-y, viens. Bon, je te retrouve le lendemain le lendemain du jour d'hier, quoi. Bref, je sais pas faire des explications bizarres. Ah, hier, j'ai pas pu. Il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Hier, j'ai pas pu clôturer parce que j'étais en train de faire ma teinture. Bon, ça n'a pas pris comme je le souhaitais, mais au moins j'ai des petits reflets. Je ne sais pas si c'est visible, mais je ne pense pas que ce soit vraiment visible. Mais j'ai des petits reflets et je suis plutôt satisfaite. Vraiment, je suis plutôt satisfaite des petits reflets. Après, je ne sais pas si je dois faire, si je dois utiliser le henné à chaque lavage pour que la peinture puisse réellement prendre ou si je dois continuer mes soins normalement. Je sais pas, si vous avez déjà fait de la teinture au henné, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais réfléchir. Mais j'ai déjà des petits reflets. Donc peut-être que je vais continuer à utiliser le henné. Je vais peut-être aller en racheter. Et voilà, parce que je veux vraiment, vraiment changer de tête, quoi. Je veux vraiment, mais je suis décidée à changer la couleur de mes cheveux. Mais là, j'aime bien les petits reflets, même s'ils ne sont pas trop visibles, mais mes cheveux ne sont plus trop noirs. Donc, trop contente. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.